Bonsoir, Jean, c'est Willy et on se trouve pour un tout nouvel épisode de Marvel Spider-Man. Dans l'épisode précédent, ou les deux épisodes précédents, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait le montage, nous avons combattu Rhino et Scorpion, puis nous avons pris le contrôle de MJ pour nous infiltrer dans l'appartement de Norman Osborn, le maire, afin de trouver plus d'infos sur le souffle du diable. Et on a découvert que Harry était malade, c'est-à-dire l'ami de le fils de Norman et l'ami de Peter et de MJ. Il était gravement malade et que le souffle du diable était un traitement à la base pour cette maladie qui a un peu mal tourné. Et aussi que on dirait qu'il est en train d'essayer de reproduire nos pouvoirs en faisant muter des araignées, j'ai l'impression. Je ne sais pas, en tout cas une est montée sur la MJ, donc à voir ce qui va se passer, peut-être elle va être piquée, peut-être qu'elle aura des pouvoirs comme nous, on ne sait pas. Et du coup, moi je me dirigeais par là pour aller trouver un antidote pour le souffle du diable. Hop. On est assez près. Je me suis un petit peu rapproché avant de commencer l'épisode. Hop. Dans 2 minutes, on y est, je pense. Oh, mais j'ai pas le temps. Aïe. Putain, ils font mal les enfoirés, hein. C'est bon, on y est presque. C'est ici. Ok. Est-ce qu'on aura le droit à un round 2 avec Martin Lee? Je vais mettre ces snipers KO. Ah. Bon. J'ai voulu être discret, ça a un peu raté. Merde, je voulais attraper ça. Hop là. Ok. Je dois pas perdre de temps avec ces démons. Lee va s'emparer de l'antisérum. Voilà, un KO. 2 KO. Ce sniper me pète les couilles. Voilà. Paf. Voilà. Non, ils contrôlent rien du tout. Lee a balayé les agents frustrés. Vos hommes ne contrôlent rien du tout. Je vous aurais prévenu, super-héros. Lui commence à me péter les couilles. Voilà. C'est bon ? Non, il est encore en haut.
peux pas monter? Ah non. Voilà. Sable prend les choses au sérieux. Ces types-là vont pas me faire de cadeaux. On en a marre que tu agresses nos agents, Spider-Man. Il est temps d'en finir. Ah ouais, bah tiens. C'est moi qui ai décidé vos gars ? C'est une blague, j'espère. Hop là. Voilà, un en moins. Vite, 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 vite. Voilà. Si seulement ça, vous pouvez me lâcher la grappe. On ferait bosser main dans la main. Ouais, ben, cassez-vous. Et laissez-moi gérer ça tout seul. Voilà. Encore ? Putain, ils sont trop loups. D'ailleurs, j'ai des points de compétences à m'attribuer, faudra que je le fasse. C'est bon, plus de méchants ? Si, il y en a encore un derrière. Démon et sable hors jeu. Je vais chercher Lee à l'intérieur. Ah bah enfin. Mais pourquoi c'est si lourd ? Mais elle est mongole ! Mes hommes, détruit mon équipement et fait perdre des millions à mon client. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous tuer sur le champ. Écoutez, je ne vous aime pas, vous ne m'aimez pas. Mais Lee détient votre client dans ce bâtiment et il va le tuer si on n'agit pas rapidement. On peut s'affronter ou affronter Lee, mais pas les deux. Ça veut dire qu'on est cool ? Vous allez m'aider à récupérer Norman. Après ça, je ne vous promets rien. Ça me convient. Il est hors de contrôle. Oh. Allez sauver Osborn. Je vais leur parler. Bien, les amis. Bon, on y va. Ok, Lee. Fini de courir. Tout ça a assez duré. Aïe, 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 aïe. Ah désolé, je dois activer ça pour me heal. Petit instant de soin. Voilà. C'est de la folie ce truc. Je dois trouver un moyen de parler au Martin Lee que je connais. L'homme qui a bâti le centre Fist. Par où faut que j'aille? Là. 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 Et ici. Je vais devoir piquer une tête. Et plouf. Va-t'en, Steve. Ça me
concerne que moi et Osborn. Ah, enfin combat dans son truc. Je sais ce qui est arrivé à vos parents. L'accident ? Tu es aussi insensible qu'Osborn. Mes parents sont morts à cause de moi ! À cause de ce que m'a fait Osborn ! Votre passé ne vous définit pas ! Ne laissez pas vous contrôler ! Je me suis donné tellement de mal pour que mes parents soient fiers ! Pour faire honneur à leur mémoire ! Mais pour véritablement leur faire honneur ! Osborn doit être châtié ! Je ne vous laisserai pas faire ça, Martin ! Ah, un peu plus tôt. C'est le seul échantillon. Non ! Non, Martin ! Je te l'ai dit, je suis désolé. C'était un accident. J'essayais de t'aider. Vous n'aidez personne. Vous les exploitez. Ça ne ramènera pas vos parents. Pourquoi tu tiens tellement à sauver cette sale pourriture? C'est vous que j'essaie de sauver, Martin. Ne laissez pas la haine gagner. Résistez! Ah, on va commencer le combat, allez! Oh, il est vénère! Ça lui fait rien, ça! Ouh, je cours! Ah, il est faible! Paf! Dans tes dents. Mange. Putain, il est trop vif. Aïe. Tiens. Oh, il est vif. Vas-y. Oh oh. Non. Aïe. Ah!
Allez. Tu ne mourras pas. Ouille. Allez. Tiens, tiens. Ouh. Allez. Battez-vous, Martin. Vous pouvez vous en sortir. Non. Osborne doit sauter. Wow. D'accord. Je sais que vous pouvez battre le démon, Martin. Battre le démon? Mais je suis le démon. Paf. Ok, je peux le frapper quand il a fini son attaque. Ça, c'est un gros démon. Attention, les démons. Osborne et toi partagerez le même tombeau. C'est bon, il est faible là. Ça suffit. Tout ça sera bientôt terminé. Ah, je touche du bois. Ouh là là, je me suis pris un combo là, assez sale. Pas lui. Voilà. C'est pas lui que je voulais. Allez, finis-le. Oui, y a du monde. Là, ça commence à laguer un peu avec toutes les entités.
Osborn. Il doit payer. Je sais. Mais pas de cette façon, Martin. Incapable. Tu en fais une tête. Si tu savais à quel point ça me rend heureux. Prêt à faire ta sortie ? Plus urgent pour l'instant. Il faut l'emmener à l'hôpital. Non, pas à l'hôpital. Au Fist. Eh bien, quel épisode? Je veux parler au médecin en chef. Y a pas de médecin ici. Qui dirige ce centre? On va dire que c'est moi. Ah, d'accord. Ça fait longtemps, mais je dois pouvoir le soigner. Trouve-moi des masques, des gants, tout ce que tu as de stérile. Merci. Remerciez-moi en restant en vie. Oh mon Dieu. Ça va. Mais il doit se reposer. Hé, vas-y doucement. Où est May? Disent qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Où est-ce que tu vas? Je dois retrouver Otto. C'est lui qui a le sérum. Je sais pas si je peux le battre. Peut-être pas. Peut-être que Spider-Man a besoin de son ami Peter. Quoi? Peter a travaillé sur ses bras, pas vrai? Alors il doit connaître leurs points faibles.
Allez, champion, vas-y. Voyons voir. Non. Pas ça non plus. Peut-être celle-là. Non. Aïe ! Donc c'est lui qui s'est fait piquer par l'araignée. C'est pas mal, j'en dirai pas plus, mais je pense avoir... ce que ça veut dire, bon, les fans de Spider-Man, je pense qu'ils ont compris aussi, mais... On en parlera ça à la fin. En tout cas, je vais vous laisser là pour cet épisode. Le prochain, c'est probablement le dernier. MJ a raison. J'ai conçu l'interface neurale. Je dois donc pouvoir la détruire. Il y a certainement tout ce qu'il faut pour ça au labo. Mais on verra ça en prochain épisode. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite et probablement la fin de notre Let's Play sur Spider-Man. Et d'ici là, à la prochaine.